Hey, bonjour tout le monde, c'est Gwenelf. J'espère que vous êtes en pleine forme, les amis. En tout cas, moi je le suis. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Arc Vania pour l'épisode 10, si je ne me trompe pas. Et comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui, on prend notre revanche contre le dragon avec une toute nouvelle technique, à savoir la technique du Mégalocéros. Donc, je ne vous en dis pas plus, les amis. Je vous laisse avec ce fabuleux combat. C'est parti et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Nintendo Games, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le 50e épisode de Arcmania. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui, je me retrouve à la Tour Rouge avec... Oh yay! Avec Madame Skellington, Monsieur AKDLP, Monsieur Starkey, Madame Nietzsche et Monsieur Gwenelf. Bonjour à tous! Coucou! Hello. Ah, c'est pas du tout là que vous parlez tous en même temps, j'adore Discord pour ça, c'est magnifique. Bref, aujourd'hui, on se retrouve. Alors, il peut y avoir une coupure Discord à tout moment. Il peut y avoir un crash serveur à tout moment. Il y a eu la mise à jour sur Arc, il y a eu de la merde Discord. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais nous sommes là, nous sommes réunis aujourd'hui pour le Dragon 2.0. On va se le retenter. Cette fois-ci, avec le Mégalocéros, les Rex et les copains. Et surtout, les armes. Tout le monde est prêt? Tout le monde est chaud? Oui. Alors, l'artefact de l'immunisé, l'artefact de la ruse, de la puissance et... du Seigneur du Ciel. Oh, j'adore ce mot, c'est tellement beau. Bref. C'est C'est parti. putain. Elles sont beaux, Rex, comme ça. Il y a toutes les couleurs, ils sont tout mignons. Ouais, c'est... Allez, je prends ma petite soupe et je suis prêt. Et si quelqu'un n'est pas TP, ben, c'est la merde. Ouais. Effectivement. Surtout Aka, c'est accroche-toi au toi, en fait. poteau. Accroche-toi au poteau, Oui. Aka. Accroche-toi au poteau. Tiens. Trop près, trop près. Non, c'est pas fait. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance. Yeah! C'est bon, c'est fait. Ok, dragon derrière. Ok, come in. Allez, go, go, go. Very good. Gwen? Oui. Mettez-vous contre la border, derrière, contre la border. Ouah, le rollback. Le rollback juste au. Boule de feu! Boule de feu! Fuego de la ah place! bah ouais. Aïe 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 Pourquoi aïe il aïe, regarde? caramba! Pourquoi il nous regarde? Je sais pas. Attention, il y a les bébêtes! Groupirte, Aka, mais vous êtes pas groupirte du tout! Mettez-vous groupirte! Non, non, mais là j'en ai plein la gueule du coup! Vas-y, on bait tout. Mais viens vers nous, hein, viens vers nous. Ouais, je prends et puis je viens vers vous derrière. Je passe derrière okay. vous après. Putain, mais ils ont de la vie, ces cons! Attention, il y a des morphs qui arrivent. Je surveille le dragon, il est en train de se poser. Et il y a encore des morphs qui m'attaquent. Ouais, mais putain, mais ils ont de la vie, hein. Ah, il se pose pas le dragon, donc on a le temps pour les dimorphes. On a le temps pour les dimorphes. Il y en a encore. Ça en fait, ils volent juste au-dessus, donc ouais, pareil. Wow. Je surveille les boules de feu si jamais je vous dis. Allez, mais meurs. J'arrive pas à tuer celui qui est sur moi là. Allez! Voilà, ok, c'est bon. Boule de feu! Sur vous! Oh ah! C'est mal! Les gars, il y a encore un dimorph sur moi, est-ce que quelqu'un. Oh, il réinvoque, il réinvoque, il réinvoque, il réinvoque, il réinvoque, il réinvoque, les gars! Oh. Groupez! C'est bon? Et un jour il va se poser ou pas? Ouais, oh, les gars, j'ai plus de vie moi, j'ai pris cher dans la gueule. Boule de feu encore. Waouh. Oh mais ils sont coriaces hein. Ouais, ils se ils posent. Ont tellement de vie. Ils se posent les gars. Ouais, ouais mais bon, encore là on peut pas là. Ah putain ils se posent, là il faut pas. Là il faut pas. Non ils se sont envolés. Putain ils redécollent déjà. Putain t'es sérieux. Ouais bouge un peu. Ouais. Ils se reposent, ils se reposent. Venez. Dès que vous êtes prêts vous venez. Go 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 go. Y'a encore des dimorphes hein, y'a encore des dimorphes. C'est bon? Encore c'est un bon. Dimorph sur Nietzsche, c'est bon. Ok, go. Feu, 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 feu. Excellent. Merde, je suis tombé de mon. Pour le moment, sa vie, elle descend vite. Hein. Elle descend bien, hein, sa vie. Wow, elle ouais. descend bien vite. Oh, vache. Je lui prends pas de dégâts. Hein. Moi, je suis bien dans la lave, là. Oh, la vache.
Alors on a fait presque un quart. Allez, on y croit. Ouais, ouais. Là, on a fait un quart, en tout cas. Au moins un quart. S'il reste comme ça pendant tout le long du fight, c'est nickel. Ouais, ce serait parfait. Il restera pas. Mon mégalocéros, c'est plus là, il n'a encore rien pris. Ah, bah là, ça va rester réaliste. Un tiers de moins. Bientôt, heureusement qu'il y a les gâteaux, hein. Heureusement qu'il y a les gâteaux, les gars. Tu prends cher ? Non, 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 rien du tout. Il y a quand même des 42, c'est... Ça oh putain, par contre, il mange masse gâteau, hein. Allez, on a la moitié, on a dépassé la moitié. On a dépassé la moitié. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ah, attention, remontez. Tous sur, sur les Rex. Boule de feu, boule de feu. Boule de feu, boule de feu. Mitsu. Mitsu. Ouais. Oh. Faut pas qu'il réinvoque les dimorphodons au terrain. Ouais, ouais, parce que sinon. Boule de feu. Boule de feu sur nous. Oula, c'est sur moi. Ouh. Armure qui a cassé. C'est moi, il se pose. Il se pose sur nous. Waouh. Ok, pardon, on se regroupe. Essayez de se regrouper. Je me mets derrière. Allez. Encore des dimorphes qui arrivent après. Moi les dimorphes, je pense qu'ils vont réussir à me tuer. Parce que je suis trop low HP. Wouah ! Boule de feu, je crois. Boule de feu sur nous. Ouais, boule de feu. Allez, j'ai plus de vie et j'ai plus de potions de soin. C'est la merde. S'il y a un dimorphe qui m'attaque, je suis mort. Putain, pour l'instant, ça. Allez, voilà. Encore deux dimorphes dans la main. Garde un œil sur toi. Il va se poser. Il est mal passé. Waouh! Bah, c'est bon, il me tape à 54, les gars! Protégez-moi, j'ai plus de morphe, j'ai plus de vie. Ouais, j'ai pas de taper. Y'a plus de morphe? Je suis mort, je suis mort. Ah, c'est bon, c'est bon. Prenez, ok, il faut du soin, les gars, il faut du soin. Fusil à pompe, tirez, fusil à pompe. Tirez. Go, 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 go. Il me faut du soin là, je vais mourir, les gars. Pas grave, mets-toi en retrait. On peut pas vraiment te le donner en fait. Non. On aura plus du temps et. Ok, un quart. Là. En fait, elle est bien cette technique. Elle est très très bien. Moi, je perds des dégâts parce que j'ai trop chaud, mais c'est pas grave. Je prends des breuvages. Moi, je suis obligé de soigner avec de la bouffe, là, c'est bon. Elle est bientôt mort. Allez, allez. Allez. Oh, c'est bon, ça. Il va tomber. Allez! Encore un petit peu. Oh là 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 là, et le mégalocéros s'est tellement pété sa mère. Eh, mais cette technique c'est la meilleure. Allez! Allez, on va y arriver, les gars. Il tombe! Wouah! Yeah 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 KJ! Ah bah c'est bon ça. Ouais, par contre, je suis coincé dans le dragon. Okay. Ah. C'est bon. T'as les éléments? Je prends. C'est bon, t'as. Ok, nickel. Eh bien, les amis, ça y est, nous l'avons enfin battu. Ce dragon est enfin décédé avec cette nouvelle technique qui, ma foi, a été plutôt sympathique, même si j'ai failli crever parce que j'avais pas assez de breuvage de soin. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. Soit, du coup, maintenant que nous l'avons vaincu, on a récupéré un petit drapeau. Et du coup, vous savez également où était parti donc mon T-Rex de la dernière vidéo. Voilà, il s'est vaillamment combattu contre les ptéranodons et les dimorphodons. Et il a pratiquement pas perdu de vie. Voilà, c'est pas fait, c'est magnifique. Actuellement, d'ailleurs, le Rex est encore à la tour rouge, voilà, au cas où, si jamais il y a besoin de réutilisation. Il est pratiquement à 37-38 KPV, donc bon, il est plutôt sympathique. Et pendant ce temps, moi, du coup, je vais XP d'autres T-Rex pour aller faire un Megapithecus d'ici peu. En tout cas, les amis, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gonelf et bye bye.